Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos accueils. Et belé pour la chaîne YouTube d'Amno Congo Live. Oui, le bel Rabino Live à Congo. Actualité, topé politique, la République démocratique du Congo. Lelo Penza, tous allés en la place des évolués. Et si quand tu es au soukéla, tu es là qui bongo marche, y a bas député, au bas qui bongo invalidé. Nangambo y a FCC, nangambo y a bas parti et belé PPRD, bas parti sous et belé aux enquêtes y a FCC. Bango bas qui bongo au nombre des 31 députés au Bazaki invalidés dans la cour constitutionnelle. Nous avons siégé dans la cour de la cour qui a siégé dans la Boutou, qui a siégé dans la cour siégé. Donc, Bakati Makambo va invalider. Donc, député Baza 31 députés Bazaki vont invalider. Tobana qui marche na biso na rond-point Willery qui non fallait tout ce qui s'abonne na présidence. C'est si quoi ba député on a baya pour bâtir ka memo la bango kasi Tobimi Nanzela. État des droits, mon konzambo kalaka, c'est état des droits, et pourtant, ba député, ba déposé qui penza, lettre na bango kuna na gouvernora, pote, ba marché, kasi, la police est dispersée, biso, ba gaz et betami, tout ce qui m'a mis bolanda penza, oza ki bongo déclaration, ba yeko sala, quelques interviews, à la place des évolués, na kati on a peut-être au monument la mboka honorable, lui d'or, ba le kelaï, oye, aza ki bongo invalidé, en faveur, y a honorable Néron Mbungu, azali bongo vice-gouverneur, y a ville ya Kinshasa. Tout ce qui m'a dit dans la déclaration, na bango pe quelques interviews, tokutani bongo na sima. Allô? Oui, vous êtes à quel niveau? Thank you.
Madame le chef de l'État, pour que les députés détenteurs des arrêts du mois de mai et de juin puissent siéger valablement, parce que leurs arrêts répondent, bien entendu, à l'esprit de la Constitution. Et donc, voilà l'objectif de notre marche. Le serment constitutionnel du chef de l'État ne doit pas être violé par les magistrats, les cinq magistrats réunis au sein de la Chambre spéciale. Voilà l'objet de notre marche et nous sommes déterminés. Nous allons siéger à l'Assemblée nationale parce que nous avons nos arrêts et personne ne peut nous en empêcher. Nous ne négocions pas nos droits avec qui que ce soit. Voilà l'objet de notre marche. Nous disons à la police qui est ici que nous sommes protégés par l'article 168 de la Constitution qui dit que la Constitution, les arrêts de la Cour s'imposent à tout le monde, y compris aux autorités policières. Et donc nous demandons à la police de libérer le passage. Nous devons marcher pacifiquement parce que nous allons leur opposer l'article 168. Les arrêts de la Cour s'imposent à toutes les autorités civiles et militaires. Et donc les policiers doivent le comprendre une fois pour toutes. Nous marchons contre la violation de la Constitution. Et donc voilà. Encore maire. Non, attends, attends, maire. Mais justement, c'est clair, IAI, ça s'explique. La Cour a validé les députés. D'abord, la CENI donne les résultats provisoires, d'accord? Mais c'est la Cour qui donne les résultats définitifs. Alors, la Cour, au mois de mai et juin, a publié les députés. Il a donné des arrêts définitifs. Mais seulement au mois de juillet, la Cour elle-même encore est revenue sur ses décisions, chose qui n'existait pas. Alors nous, nous demandons au chef de l'État de vouloir respecter la Constitution, raison pour laquelle on est là. Au cas où vous n'aurez pas de résultats satisfaisants, rassurez-vous qu'on va siéger, rassurez-vous. Nous avons... Nous avons... On est ensemble. Moi, la moka. Moi, la moka. Bonjour Roger. Donnez-moi le papier. Vous avez parlé tout ce que vous avez manqué. Quand vous faites le
Mais vous commencez à vous insurger contre la police. Il y a des dégâts, nous devons aménager ici. Merci, papa Roger. Moi, Major Lobini. Moi, Major Lobini. Nous sommes là et nous avons beaucoup de respect envers vous. C'est vous qui nous représentez partout. Mais comment expliquer que c'est une marche, la marche de tous? Nous sommes obligés de vous répondre. Et c'est un peu de nous. Nous n'avons pas besoin de corps. Merci, mon Major. Major Roger, on a la L'action pacifique ne nécessite qu'une lettre d'information. Nous avons informé, vous n'avez pas la décision du gouverneur refusant la marche. Et hier, écoutez, hier nous sommes restés jusque tard pour attendre sa réponse. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Et aujourd'hui, nous marchons. Oui. Si le colonel est là, moi je ne donne pas. Moi je ne suis pas un fou. Vous venez devant vous pour m'interdire, pour peut-être vous interdire. C'est un ordre de manifestement illégal. Si c'est illégal, ça m'engage. Ok. Voilà, c'est ça. Alors comment ça vous engage? Ouais. Vous créez maintenant l'incident, ça sera le premier. Alors, vous voulez responsable dans ces conditions là, dit ceci. Vous dites qu'il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Attendons-nous. Oui. Écoutez d'abord. Officier supérieur. Attendez. Vous êtes officier supérieur. La loi dit que une marche pacifique, nous devons simplement informer. Vous avez une note qui interdit la marche. Donnez-nous. Honorable. La note qui interdit la marche, elle est où? Honorable. Vous ne me verrez jamais. Chez vous, peut-être même. Moi, je connais. Si souvent, vous me rencontrez dans des événements. Si moi, je viens partager. Vous savez bien. J'ai dit ce qu'il faisait. C'est ce que tu nous as fait avec Félix. Ok. Pacifique. Consacrer les libertés publiques, les marches qu'on sort, on voit des gens qui marchent, qui insultent, qui cassent. Mais nos militants, nos électeurs sont là en train de marcher pacifiquement. Ils n'ont insulté personne, ils ne se sont pas attaqués aux policiers. Pourquoi on nous empêche de marcher dans un état de droit? Nous voulions que l'opinion, tant nationale qu'internationale, puisse prendre la mesure de ce qui se passe dans notre pays. Et nous n'allons pas baisser la garde. Et face à cet empêchement de la police... Oui, to komina suka ya marche na biso bo tukola na bokebi ozaki bongo marche ya ba député invalidé ya ngambo ya FCC to bandaki bongo na rond-point Willery Kino to kende na présidence kasi la police intercalé biso ba gaz ebetami donc moi écoute tu te bo comprendre to komi à la place des évoluer bo tukola na penza ozaki ba interview ba déclaration ya ba député wana bazaki bongo invalidé kasi cour et proposer ki bango boye ba siège akaté kasi bazoka on a bon chaque fin du mois vraiment au mboka ndenge nini bato bazali ko siéger te mais bazo ka mbongo est-ce que na ébité ba mususu ba yebi makambo ndenge salma est-ce que na ba mboka mususu ezala rapé ba député ba invalidé bino ba ebisi bino bo siéger te kasi bozora ba mbongo na chaque fin du mois ya ba mbongo ba boya ki bazali toujours ko réclamer kaka ba siège na bango oyo ba iba ba yibi bango injustement ba mususu pe parmi ba député o baza invalidé ba maître ki poulu ba honorable Hermione ba honorable Jean-Louis Balekela il basé belé ba msupe na ba voté ki bango massivement kasi bazaki bango invalidé injustement to éviter mboka na biso likambo etali corruption mon konza mboka azali ko telemelango c'est comme si corruption azali toujours ko mata ka makasi na kati mboka Congo donc ba député wana bazali ko senga penza ou emeka ko revoir kana bango en fait que kalaté vacances parlementaires et aussi là, le mois de septembre, ce qui est aussi, ce qui va vous la valider, va siéger normalement, n'engue mon corps, n'a pas n'a député, au lieu que, va siéger raté, va se raca, va bon, on a bon chaque fin du mois, et ça passe. Donc, comme il y a souka, merci, n'a pas de qui m'a ma caméra, Guy Botambela, merci, n'a pas la diminution, n'a pas soutenir un peu depuis Mikila Poto, n'a pas ni les chefs d'état-major numéro 1, Papi Kawaya depuis France, mon vieux Roger Luma. Mon nom est à présent Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Si Bomoy, papa social. La bosse de Richard Maka depuis France, puis Jean-Louis Tshibangu, qui est à Londres, Bénédicte Djokwa. Je suis là pour ceux qui nous ont besoin de nous.